Bukavu contre l'équipe de l'OC Bukavu. Vos impressions à l'issue de ce match? Satisfaction, parce que c'était pas facile. Il fallait qu'on reparte avec des points face à une équipe qui était meilleure qu'au début de saison et qui venait de faire un très bon résultat face au RCK. Une équipe qui était très motivée. Donc voilà, bravo aux joueurs qui ont réussi à rester calmes devant l'adversité et puis à marquer un très joli but. Et quel des joueurs de Bouddha vous a le plus marqué? Il y en a, mais c'est l'équipe qui est en train de progresser. Et je peux juste encourager mon jeune collègue entraîneur. On est venu pour prendre des points en jouant d'une certaine façon. Je crois que quand on l'a bien fait. On a fait courir cette équipe de Bukavu Dawa, notamment l'attaquant principal qui courait, donc on voulait le fatiguer. Donc on a réussi à fatiguer quelques joueurs de Bukavu Dawa et je pense qu'on est content. Même si vous ne voulez pas. Nous ne sommes pas organisés. Parce qu'un joueur qui joue le prochain match ne joue pas. Le prochain encore il joue, l'autre ne joue pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Et par rapport à l'équipe qui a joué aujourd'hui, vous avez pêché à quel niveau? Non, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est juste un petit quelque chose avec des équipes comme ça. Un petit quelque chose qui fait la différence. C'était ça. Et tout le monde. Moi, je travaille en groupe. Je ne travaille pas avec quelques-uns. Parce que imaginez si je travaille avec quelques-uns. Aujourd'hui, on allait encaisser même 5. C'est un public qui écoute. Il nous encourage tous les jours. Alors, qu'ils continuent comme ça. Je sais qu'il y a un jour qu'ils vont rentrer satisfaits et danser toute la nuit. Il a une bonne carrière devant lui. Le match d'aujourd'hui pour lui, ce n'était pas, je pense, très difficile, mais quand même, il était très concentré. Il n'a pas eu beaucoup de danger. Je lui souhaite, parce que je le connais aussi, un jeu très sérieux, le meilleur pour l'avenir dans l'équipe Vita Club et surtout en équipe nationale, espérons-le. Merci à vous. Il est